Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Robocraft. Donc, petites infos. Oui, voilà, on va passer ça comme ça parce que j'essaie de dire un truc, mais bon, ça va être mieux si je dis comme ça. Vous avez vu que j'ai 5 slots. Donc, TX of the Dead, c'est une blague qu'on devait faire avec un de mes viewers qui joue en T1. Donc voilà pour la blague, j'avais construit ça pour le rapporter des conneries. J'ai décidé qu'avant de passer en TX, parce que beaucoup de personnes me disent ah, passe en TX, utilise des SMG TX. J'ai décidé qu'avant de faire ça, chers amis, j'espère que ça vous dérangera pas, on fera de quoi. Par exemple, là on voit qu'il y aura un SMG, là il y aura peut-être un sniper T10 bien, et là pourquoi pas un heal T10. J'ai décidé donc de faire un vaisseau de chaque type en T10, un vaisseau donc bien sûr potable, efficace, dans chacun des rôles. Donc ça peut être bizarre à dire comme ça, pour moi c'est assez important. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors je comprends pas aussi le ranking, qu'est-ce que c'est que le ranking si quelqu'un peut m'expliquer au passage. Donc ça peut vous sembler stupide, mais pour moi c'est assez important parce que ça me permettra en fait tout simplement d'évoluer donc dans chacun des types de jeux différents, donc de vous montrer des gameplays différents. Premièrement, et deuxièmement, ça me permettra aussi de m'adapter à vos styles de jeu. Par exemple, si j'arrive à avoir un jour une connexion potable via Orange, ça me permettra d'avoir donc simplement une capacité d'adaptation par rapport à vous en fait tout simplement, et donc d'évoluer dans ce domaine là. Et donc une fois que j'aurai les 4 là, et ben le 5 servira vraiment de TX. Voilà, tout simplement, chers amis. Donc on repart avec notre vaisseau là, parce que comme vous voyez, le vaisseau SMG n'a pas beaucoup avancé, malheureusement, je n'ai pas eu trop le temps de jouer en dehors. D'ailleurs, je vais pas avoir beaucoup de temps non plus la semaine prochaine pour jouer et pour tourner, donc j'ai pris de l'avance. Donc pour vous dire, là l'épisode que vous, quand vous le verrez, l'épisode, moi j'en suis actuellement au vendredi 7 août, quand je le tourne. Parce que je vais pas pouvoir tourner donc la semaine prochaine, donc la semaine avant le 15 août. Sauf peut-être un épisode rigolo, on verra bien. Donc voilà. Voilà pour les petites informations entre guillemets. Du coup, bah en fait, durant la semaine, comme je ne pourrais pas tourner, bah, je perdrai cette avance et je retrouverai donc un rythme correct de vidéo de l'avance de 2 ou 3 jours. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on y va. Fight for Freedom, Rank and Arena, The Pitch, je suis curieux de voir ce que ce sera. On y va, donc Battle Arena. Et on espère que le temps moyen d'arriver en truc, bah non, c'est toujours aussi long, c'est de 1 minute, j'aurais dû lancer plus tôt. Donc voilà. Voilà. Pour les news. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. On va expliquer un petit peu le fonctionnement du T10, qui m'a toujours un petit peu intéressé. Il y a des Russes qui parlent. Donc voilà, merci à vous en tout cas de tous vos conseils et vos astuces. J'en attends toujours au niveau de Arc, donc malheureusement j'ai eu des gros soucis en tout cas au niveau des tournages. Vous avez pu voir que tout simplement je mourrais donc au bout de quelques heures de offline. Donc j'aimerais savoir s'il y a moyen de désactiver ça, si je dois contacter un admin du serveur par exemple pour désactiver ça. Ah bah forcément, excusez-moi. Voilà, re, chers amis. Donc, oui, c'est passé plein de choses entre temps. Hein. Moi, c'est passé même plusieurs heures, hein, 3 heures à peu près. Donc, nous revoilà. On va essayer de reprendre un tournage. En finir avec le Robocraft. Je sais plus ce que j'ai fait de mon crayon. Là. Hop, c'est parti alors. Donc, ils ont 1, 2, 3. Donc, on est d'accord, ok, bon, ça paraît plus ou moins équilibré, on verra bien. Ok, hop. Parfait, et mon petit tableau blanc est rempli. Oh là, j'étais en train de prendre le manche à balai qui est juste à côté de moi pour piloter l'avion, ce qui aurait pu être pratique. D'ailleurs, je vais avoir une super information pour la vidéo des Dangerous dans laquelle je vais tourner. Allons-y! Sauvons l'Amérique! Plasmacopter spotted. Interceptor spotted. Oula! Plasmacopter! Interceptor spotted. Another flyer spotted.
Hop les. Touché. Sonnons la zizanie, chers amis. Appelez. Bim, zéro, mais ça c'est écœurant. Mais on n'a pas encore chopé un seul truc là. Are you the motherfucking serious? Tiens, bouffe. Vous êtes serious là? Les gars, qu'est-ce qui branle? Et what? What? C'est quoi cette partie de merde? Mais qu'est-ce qui branle? Tiens, bouffe. Mais c'est quoi ça? Il a des routes X. Oh la gueule, je sens qu'on est tombé sur une des meilleures parties du monde encore. Putain, puis je me suis barré sans avoir ce qu'il faut pour me contrôler. C'est génial. Ah, regardez, on a la moitié de l'équipe qui est encore au spawn. Hein. Et en plus, on a des gros problèmes de heal, j'ai l'impression. Alors ça c'est ma connexion qui en chie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau, le chat fonctionne mais pas la partie, c'est totalement nouveau. Welcome to my life. Tentons notre chance après tout, pourquoi pas. Hein. Ah non, le jeu est complètement planté. C'est génial, c'est absolument génial, j'aime ce jeu parce que maintenant je suis obligé de quitter la partie. Re, chers amis, donc bah, je sais pas comment on va faire, ça commence à me faire chier, je vais le dire. Hein. Entre les gens qui savent pas jouer et les bugs du jeu, ça commence à être lourd. Ça commence sincèrement à être lourd. Donc, on va bien voir. Hein. Si je me tape une demi-heure de saloperie là, de te cooldown à la con sans pouvoir jouer, ça va pas le faire. Parce qu'entre les gens qui quittent vraiment la partie et moi qui ai des bugs de connexion, c'est à dire qu'il y aurait pas de différence. Mais bon, on parie combien que ça va être ça, hein. Ah, j'ai pas reçu le message, peut-être que non, attendez. Alors, apparemment c'est bon. On va retourner en partie. Alors, slash ignore Monsieur Fantôme. Ça c'est fait. Hop, voilà.
C'est parti, allez, on retente notre chance, chers amis. Fou. On va voir ce que ça donne, hein. Voilà, ça m'inquiète, vous voyez, dès le départ. Ça m'inquiète. Pourtant, l'apparition des alliés m'inquiète. Ça implique que j'ai possiblement une très mauvaise connexion. Mais ça m'étonne parce que les alliés et les ennemis sont bien là. Donc je pense que je vais partir plutôt sur le fait que les serveurs du jeu ont quelques lags. Ok. Ça c'est fait. Touché. Bouf. Oula, j'ai pris cher. Peut-être une mauvaise idée, effectivement. Oula. C'était peut-être une mauvaise idée. Wouhou, je tombe en vrille en plus. Youhou! Ah bah j'ai plus rien là. Là ça pue, chers amis. Bon. Alors, on appelle ça une défaite. Une première défaite. En plus, moi j'ai une chanson dans la tête, donc bon. Aïe, aïe. Bim. Bim. C'est de choper l'île. Putain, je déteste les SMG, chers amis. Va crever en enfer, va... Va sucer des bites en enfer. Tu devrais pas exister. Tu devrais pas faire de dégâts. Putain. Ah. Je veux respawn. Laissez-moi me barrer, il mérite pas le frag. Entre les séries, les trucs de double heal et la con et ça. Regardez, ça devrait même pas voler. Ça devrait même pas voler. Putain, moi j'ai le mérite d'avoir un robot classe, pas d'avoir un robot merdique qui fait que des trucs débiles. Tiens, bouffe. Non, je suis désolé, regardez ça, le peu qu'il a pris comme dégâts. Va sucer des bites en enfer, mais putain. C'est écœurant, y'a plus que ça, des double heals et des... Mais y'a combien de heals? Tiens, bouffe. J'ai déjà quelqu'un qui s'est... Oh mais ça y est, regardez, il y en a déjà deux qui se sont barrés. Putain de jeu de merde. Ah. Ah, pour plus il y a une mise à jour et j'ai l'impression que c'est encore pire depuis la mage quoi. C'est terrible. Ah. Bande de sacs à merde. Ah, ça m'écœure. Regardez ça. Je peux même pas respawn normalement. Parce que de toute façon, double heal, c'est impossible à gérer. Donc voilà. Bien joué. Donc l'équilibrage du jeu est toujours fait à la pisse. Hein. Donc avant de faire des trucs, des masses de mise à jour à la con, équilibrez votre jeu de merde. Parce que franchement, ça vaut pas le coup. Ça, c'est pas censé voler, ça. Revoyez la physique de votre jeu parce que c'est pas censé voler. Puis regardez le peu de dégâts que je fais. Regardez le nombre de coups qu'il faut donner à un robot ennemi. Oh
Mais voilà, zéro. Zéro parce que... Parce qu'il a quelques électroplates, alors que mes dégâts normalement sont censés être des dégâts de zone. Voilà, voilà, c'est impossible. Donc c'est impossible à gagner. C'est génial, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Ça me gonfle chers amis. Regardez ça, c'est impossible. On peut pas tuer un heal, mais les heals font des dégâts. Donc je suis désolé. Oui, 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 je veux me barrer. Je veux me barrer. Merci. Va te faire enculer, Oggy. Ça m'écœure. Ça m'écœure. Moi, ça m'écœure, chers amis, je suis désolé. Ça ressemblait strictement à rien. À rien. Ça m'écœure. Ça m'écœure. Non, franchement, là, c'est... C'est écœurant. C'est écœurant. Mais la double partie que je viens de me taper, la putain. Allez, ça t'apprendra. Allez, je me venge. Slash ignore Navian Dylan. Hop. Ça me fait... ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait t'as pas plus de chance. T'as plus de chance avec une SMG qui tire au pif de passer outre l'électroplate qu'avec un bombardier qui fait des dégâts de zone. Oh là là. Oui. Effectivement, tu devrais arrêter vu. Ah, t'as de la chance. T'as de la chance. Bon bah déjà c'est mal parti, y'a 4 SMG en face. Allez, on fait ça, et si ça marche pas, si c'est de la merde, eh ben on se bat. Ah nom de Dieu. C'est triste quand même. Highway to the danger zone. Oh mais regardez ça, il me tirait même pas dessus au moment où... Génial. Votre mère suçait des bites en enfer. Ou votre grand-mère, ça dépend, ça m'énerve. Je suis pas ce genre à dire ce genre de conneries mais... Là ça m'énerve. Putain, quand tu vois le peu de dégâts que tu fais avec des dégâts de zone quoi. Putain, si les bombardiers ça faisait aussi peu de dégâts dans la seconde guerre mondiale, il y aurait ma région, il y aurait rien quoi. Le heal il est où? Hop. Yes. Yes. Allez.
Allez. Allez, tourne. Putain de heal. T'as pas intérêt à te barrer. Sans personnellement j'aurai la SMG, je jouerai à la SMG aussi pour me venger. Allez. On y est presque, allez, foutu heal, putain, mais. Tu pourrais venir me chercher, sac à merde. Je sais, j'aurais pu respawn. Putain, bah je vais respawn, voilà. Tiens, bah c'est ton bien, fais-toi tuer, heal. T'as raison, t'auras servi à rien de toute manière. Ah, ça me gonfle. Et le pire, c'est que la partie elle se déroule super bien. Mais what? Et voilà. Voilà. Je suis useless. Useless au possible, c'est génial. Partie. Journée de merde pour jouer à Robocraft. Voilà, c'est dit. J'en ai plein le cul. Raté. Tu bougeras pas, toi. Voilà. Non. Your middle fusion tower is under attack. Plasma copter spotted. Hop. Your middle fusion tower is under attack. Putain, raté. Plasma bomber spotted. Plasma bomber spotted. Voilà, ça prendra. Your middle fusion tower is under attack. Raté. Touché. Casse-toi. Et le heal qui s'amuse à faire des dégâts. Le heal qui fait des dégâts sur le truc, hein. Ça m'écœure. Comprenez votre rôle, bande de cons. Allez, hop, on peut y aller. Et putain de merde. Apparemment il m'a pas vu. Hop, c'est pas grave. Moi je fais mes dégâts. Pépère. Et voilà, zéro. Parce qu'il a deux électroplettes et vous remarquerez que j'ai pas entamé les électroplettes. Hein. Elles sont encore complètement blindées. C'est stupide. Stupide possible. Allez, hop, c'est parti. Oh non.
Toi t'es à moi toi, non non non. Désolé. Y'a des limites, le mec il tente de me le piquer derrière, non 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 non, faut pas exagérer. Hop. L'agilité. On va les repiquer leur tour, c'est pas grave. Play. Oh! Mais quoi? Qu'est-ce qui m'a tiré dessus? On a l'impression que je me suis auto-tiré dessus, quoi, c'est débile. Tiens, bouffe. Allez. Je peux encore grimper dessus. Et c'est ce que je vais faire. Ah, merci. Merci. Oh non, on me coince pas. Tiens, bouffe. Bouffe. Tiens, bouffe. 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 Ton vaisseau ressemble à rien. Hop là. Tiens, bouffe. Oh mince. Ah bon? Touché. Touché. Youhou. Touché. Raté. Touché. 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 Bien joué. Oh. Tu devrais pas exister. Tu défies les lois de la physique. Tu défies les lois de la physique, sac à merde. Putain, je t'ai raté. Oh, je t'ai encore raté. Touché, bien joué. Non! Non! Non, pas à ce moment si crucial! Bon, c'est pas grave. On l'aura eu. Victoire. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah n'empêche que c'est pas glorieux. Quoi? Quoi, mais c'est quoi ces scores moisis? Mais ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Autant pas mettre de score, autant mettre directement un kikimeter, vous savez, premier, deuxième, troisième, quatrième. Bon bah c'est pas grave. Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueur de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Enfin fini.